Et salut les amis, c'est Prime Furious, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me et je suis en compagnie de Ethan. Et oui, mais Ethan par contre ne parlera pas puisqu'il n'a pas mis de micro, hein. Il est là dans la partie avec moi. Donc vous voyez qu'il a le Australian Kelpie Mega Néon que je lui ai donné. Bah Ethan il s'est décidé à se mettre au jeu, donc du coup ben voilà, hein, il fait partie maintenant des vidéos. On va le voir de temps en temps dans les vidéos Adopt Me. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, ben on va pas faire de trad. Voilà, vous voyez de toute façon il n'y a personne, hein, je suis sur mon serveur. Donc on va pas faire de trad. Ce que nous allons faire, c'est élucider un mystère, les amis. Et oui, on va élucider un mystère ensemble, puisque depuis que j'ai commencé le jeu, moi je l'ai pas commencé super tôt en fait, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont commencé depuis le début. Moi j'ai commencé aux alentours de mai, et depuis le mois de mai, en fait, à chaque fois je passe devant ce coffre et je me demande ce qu'il y a derrière, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce coffre? Donc à quoi il sert? Voilà, j'arrive pas à l'ouvrir. Vous voyez, il faut une clé et visiblement, ben je ne l'ai pas. Voilà, je n'ai pas la clé pour ouvrir ce coffre. Surtout qu'ils ont fait la mise à jour et depuis la mise à jour, ben voilà, hein, je sais pas. Donc Ethan, lui, il a commencé le jeu avant moi. Alors il m'a dit que la clé, ou du moins le moyen pour avoir la clé, c'était d'aller directement dans la boutique de Pet, hein, là où il y a les hattes, etc., les chapeaux, voilà, où il y a tout. Donc on va aller dans la boutique de Pet ensemble et on va aller voir. On va aller voir ensemble si on trouve effectivement cette clé. Donc lui, il m'a dit qu'il y avait des genres de pièces à ramasser et que ça permettait d'avoir la clé. Bon, voilà, on va quand même aller vérifier, hein, parce que peut-être que depuis qu'il y a la mise à jour, ça n'existe plus, je sais pas. Parce qu'il m'a expliqué qu'avant, ben ça, c'était sous l'eau, en fait. Voilà, qu'il y avait un genre de pêcheur et qu'il fallait aller sous l'eau. Et qu'ensuite, eh ben, il fallait chercher des pièces et qu'on pouvait avoir une clé ici. C'était une mise à jour, en fait, hein, tout simplement. Donc là, depuis qu'ils ont mis la mise à jour et qu'ils ont rajouté les pins, ben, comme vous avez pu le constater, ben voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé. Ben on va quand même aller voir, donc je vais laisser Ethan fouiller de son côté. Moi je vais fouiller du mien et on va chercher, on va regarder s'il y a des pièces qui traînent, si, parce que c'est vrai que cet endroit-là, je l'ai jamais vraiment visité en fait, hein. À chaque fois je viens ici, moi je fais 2-3 trucs, mais j'ai jamais vraiment fait gaffe s'il y avait quelque chose à ramasser ou quoi. Bon ben, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, on est en train de se balader. On fait le tour, on va regarder un petit peu partout, on va regarder sous l'eau surtout, s'il n'y a pas quelque chose à ramasser ou à trouver. Alors attendez, voilà. Et à quoi elle sert cette fleur? Il y a une fleur ici, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait des pièces, hein. Bon, on va quand même vérifier. On va faire le petit tour, hop. Alors, ah ben en plus il fait nuit, eh ben, ça tombe super mal. Voilà, on va monter là. Alors est-ce que là vous voyez quelque chose? Moi je vois rien, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de flagrant, hein. Il m'a dit qu'elle c'était difficile à trouver, que lui il avait un peu galéré. Alors peut-être que c'était lié à la mise à jour, hein. Peut-être que c'était ça. On va quand même faire le tour, on va voir. Parce que j'ai jamais vraiment visité cet endroit. Comme vous pouvez voir, là, je suis en train de faire un petit tour géant, en fait, hein, voilà. Peut-être que vous l'avez fait. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà cherché. Alors, normalement, elles étaient ici, hein, voilà. Il m'a dit qu'il y en avait une qui était à l'entrée. Il y en avait une qui était au niveau des pirates. Alors, attendez, hop, non. Alors, je ne vois pas de... Je vois rien, en fait. Je vois rien du tout. Ouais, c'est pas là en tout cas. S'il y a eu quelque chose ici, pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Alors peut-être que c'est bien caché. Ah, c'est quoi, c'est un aileron de requin? C'est un aileron de requin. Regardez ça avec le bateau pirate à côté. Oh, ça fait peur, hein. Un aileron de requin. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un aileron de requin ici. On peut se cacher dedans. Ah ben, c'est une bonne planque ça par contre. Ah, vous faites un cache-cache, vous mettez là-dedans. Regardez, c'est pas mal ça. Un petit cache-cache à l'intérieur de l'aileron du requin qui se trouve dans l'eau. Alors je vois Ethan qui est en train de se balader. Alors ici, voilà, on a presque fait tout le tour. Ben ça y est, hein, on a fait tout le tour et on n'a rien trouvé. Rien du tout, pas de clé, pas de pièce, que dalle. Donc on va jeter un oeil quand même là-bas, je suis pas allé. Allez hop, est-ce qu'il y a quelque chose à gratter ici? Alors on va voir, on va monter, hein, on sait jamais. Donc j'avais vu dans une vidéo où Ethan m'avait expliqué qu'il y avait une clé qui était là. Ben non, il n'y a rien, une pièce du moins, hein. C'était là qu'il y avait la pièce pour avoir la clé. Alors non. Ah, peut-être sur le mât qui est là-haut. Ben, on va aller jeter un oeil. Allez, Fanta, viens, on va aller regarder. Est-ce que c'est là-haut? Est-ce qu'il y a quelque chose à gratter ici? Non, il n'y a rien. Rien du tout, les amis, rien du tout. Donc, on va jeter un oeil en haut. Regardez, hein, on est monté. On va aller à l'arbalète directement. Est-ce qu'on peut agir dessus? Non, on peut rien faire. C'est juste de la déco. Hop, ben là, on a fait presque tout le tour, hein. On a fait presque tout le tour de la zone. Regardez, on va jeter un œil quand même dans les arbres, dans les trucs. Non, il n'y a que dalle. Que dalle. Il n'y a carrément rien. Alors, on a fait tout le tour là. Là, je crois qu'on a carrément tout visité. Alors, je vais quand même... Vous savez quoi? On va utiliser même le glitch qui est là.
Donc là, c'est pas évident de passer à travers. Allez, hop, on va prendre la poussette. Voilà, on va prendre le bas de dragon. On va essayer de passer à travers le mur. Là. Ben voilà. Bon, ben j'ai essayé quand même, hein, mais je n'arrive plus à passer à travers ce mur-là. J'avais réussi à le faire une fois. Je sais pas, ils ont peut-être corrigé un truc, ils ont peut-être modifié quelque chose pour plus qu'on passe à travers. Bon, dans tous les cas, on va aller jeter un œil directement là où se trouve le coffre. Voilà, parce que là, pour le moment, ben, on a vu avec Ethan, c'est pas ici. En tout cas, il n'y a plus le moyen de trouver la clé. Hein. Voilà, il y avait... En fait, je crois, si je me trompe pas, il me semble qu'avant, ça, ce n'était pas un bateau, c'était sous l'eau en fait. Ici, je crois, juste à côté de l'école, il y avait un genre de passage avec quelqu'un avec une canne à pêche. On sautait dans l'eau et dans l'eau, il y avait le pet shop. Donc là, bah, ils l'ont carrément mis en haut, quoi. Quoi, du moins, le pet shop, vous avez compris, quoi. L'endroit pour acheter les pets. Voilà. Donc là, on va aller jeter un œil à l'intérieur. Allez, peut-être qu'ils ont caché des trucs là-dedans. Parce que c'est vrai que cette pièce, ils l'ont refaite. Donc ils ont un peu tout changé, quoi. Du moins, ils avaient changé un peu la déco. On va regarder s'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur. Hop, est-ce qu'il y a un passage secret qu'on n'aurait pas vu? Est-ce qu'il y a un passage secret qu'on n'aurait pas vu? On va aller jeter un œil de l'autre côté. Voilà. Non. Ouais, bon, je pense que vous avez déjà fouillé et fait le tour hein, de cette zone. Hein. Moi, je suis en train de chercher, c'est la première fois que je le fais, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à gratter là-dedans? Bon, on va tenter, on va essayer de forcer le coffre. Vous savez quoi? On va forcer le coffre. Voilà, on va le forcer. Alors, il doit y avoir un moyen. Je vais regarder dans mes jouets. Il me semble que je dois avoir un genre de grappin, là. Faites voir. Est-ce qu'on peut passer à travers avec le grappin? Voilà, j'ai un grappin de glace. Alors, on va essayer. Alors, faut bien viser, par contre. Hein. On va bien viser. Hop. Ah! Il doit y avoir un moyen de passer à travers. Attention. Allez, passe à travers le coffre. Ah, mais j'arrive à toucher le mur du fond, en fait. Mais j'arrive pas. Et ouais, la porte, elle me bloque. Elle me bloque bien, hein. Ouais. Ah, je suis passé à travers. Ça y est. Je suis rentré à l'intérieur du coffre. Je suis rentré à l'intérieur du coffre avec le grappin. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Alors, on va voir. Hop. Je me disais aussi, il devait y avoir un moyen de rentrer dans ce coffre, là. Alors, faites voir. Ouais, je sais qu'on peut glitcher. Vous allez me dire, mais tu peux glitcher aussi à travers le coffre. Ça, je sais qu'on peut le faire. Alors, on va essayer de glitcher à l'extérieur du coffre. Là, on va glitcher ici. Regardez ce qu'on va faire. Hop, on va voir ce qu'il y a de ce côté-là. Voilà, là, ça glitche facilement. Et là, nous sommes à l'extérieur du coffre, les amis. Nous sommes à l'extérieur. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Là, c'est le vide total. Alors, là, pour rentrer dans le pet shop, on va s'amuser. Ah, je peux pas monter. Il y a un mur en haut, là. Regardez, il y a un mur. Je peux pas monter. Il y a quelque chose qui me bloque. Ah, je pouvais passer à un moment donné. Je crois qu'ils ont rajouté un mur supplémentaire invisible là. Il n'y était pas avant, je crois. Il me semble qu'avant, on pouvait passer par au-dessus. On peut plus maintenant. Ils l'ont bloqué. Là, on voit la cascade de l'autre côté. Regardez, je suis complètement dehors. Voilà. Mais on peut plus passer par-dessus. À un moment donné, on pouvait. Alors, peut-être que s'il y a peut-être un passage plus loin. Ils l'ont peut-être pas mis tout le long, le mur. On va regarder. Parce que c'est quand même un mur graphique, donc ils ont dû mettre une certaine hauteur. Ah, voilà! C'est un mur invisible! C'est un mur invisible, regardez. Vous voyez, je suis sur le mur invisible, là. Vous voyez, c'est un gros bloc. J'arrive à monter, là, j'arrive à monter. Alors, ils ont pas dû mettre la hauteur maximum. Voilà! J'ai réussi à passer. Ah, mais c'est une plateforme invisible, regardez, on la voit, là. Il y a un genre de bloc. Hop! Ah, je suis dessus! Je suis sur la plateforme invisible, regardez ça. Je suis en train de me balader dessus. Ah, mais c'est énorme. Alors, est-ce que je vais tomber, là? Je suis curieux de savoir si je vais tomber. Non. Mais par contre, voilà, il y a un bloc invisible. Vous voyez, hein, je suis dessus, là. Je suis en train de me promener avec la poussette au-dessus du mur invisible qui se trouve. Je vois le pingouin d'Ethan en bas. Alors, il faut faire tout le tour du mur. Hein. Vous n'avez pas le choix. Le mur, il est assez grand. Mais voilà, comme c'est un mur graphique invisible, et forcément, ils n'ont pas dû utiliser toute la zone. Ils ont dû le poster assez loin. Voilà, bon, ben, j'ai réussi à passer, hein, c'est le principal. Regardez comme c'est classe. Je peux même faire un pique-nique, là. Oh, je suis calé, quand même. Regardez ça. Hop. Et voilà, je suis dans le ciel, les amis. Regardez ça. Allez, on va faire danser notre petite licorne. Hop. Et moi, je vais danser dans le ciel avec tout le monde. Regardez ça. Je vole. Je vole au coucher du soleil et je danse. Ouais, c'est top, hein. Ouais. Franchement, c'est top, hein. Regardez ça. C'est quand même pas mal, hein.
J'ai l'impression, regardez, on dirait que je suis sur les nuages là. Voilà, je suis en train de danser sur les nuages, la base. Bah, faudrait que je fasse une petite intro de vidéo comme ça. Vous allez vous dire, what? What? Qu'est-ce qui se passe là? Comment il fait pour faire ça? Ah, c'est excellent. C'est excellent. Ah bah du coup, je vois Ethan en bas, il est en train d'essayer de faire pareil, mais il va falloir qu'il contourne le mur. Hein, le mur invisible qui est quand même assez grand. Alors, on va voir jusqu'où il va. Hop. Est-ce que j'arrive à redescendre? Non, pas encore. Ah, ça y est, voilà. Ça y est, j'ai franchi le mur invisible. On va redescendre. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir passer dessous. Ouais, c'est bon. Et là, je vais aller à la porte. Hein. Voilà, on va aller à la porte. Hop. Nous voilà à la porte. Et on va ressortir. On va ressortir par l'entrée. Est-ce qu'on peut ressortir par là? Mais moi, je veux sortir. Je veux sortir. C'est une bonne planque, ça. Je veux sortir, les amis. Comment je fais? Ah! Je suis tombé. Je suis tombé. Ah, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vite, TP. Hop. Bah, qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, je suis dans l'espace. Mais qu'est-ce que c'est, ce Beans? Bon. Mais... Oh, j'ai atterri où, là? Mais où je suis? Qu'est-ce que c'est, ce délire? Vous avez vu ce Beans de ouf? Oh, j'ai fait un vol plané de 600 mètres. J'ai tourné comme une étoile. Ah ouais, j'aurais dû prendre la Starfish pendant que je tournais en l'air, là. Bon, ben on va retourner à l'intérieur, on va essayer d'ouvrir ce coffre. Alors, ce que je vous ai pas dit, les amis, ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que je possède la clé. Et oui, je l'ai, la clé. J'ai la clé. Alors, je sais pas dans quel truc elle est, ça doit être un jouet, peut-être. Hop, je sais pas, on va regarder, je crois qu'il s'appelle Kay. Alors, peut-être que... Ah, elle est là, vous voyez. J'ai la clé du coffre. Et vous allez me dire, mais comment tu as fait pour avoir la clé? Ben, tout simplement parce que Ethan, en fait, a commencé à jouer avant moi. Et qu'il avait fait les quêtes pour avoir la clé. Donc, voilà. Souvent, ben, quoi, du moins souvent, vous pouvez la trader, cette clé, hein. Alors, j'ai vu pas mal de personnes, c'est un objet spécial, hein, c'est un jouet. Donc, j'ai vu pas mal de personnes qui l'a proposé en trade. Et en fait, à chaque fois, j'hésite de la prendre parce que je me dis, mais est-ce qu'elle marche? Est-ce que je peux ouvrir le coffre avec? Parce que si elle marche pas, ben, malheureusement, vous l'achetez et ça risque de coûter cher. Il y en a des fois qui la trade. Alors, on va voir, hein, je vais faire le test avec vous. Attention, suspense. Suspense au maximum. Est-ce que la clé ouvre le coffre et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, c'est parti. Ça marche pas. Super. Pourquoi il a jeté la clé? Ah, mais c'est un jouet! Ah, mais c'est devenu un jouet, d'accord? Regardez ça, il jette la clé. Ah, mais j'ai l'air ridicule avec ça. Et en plus, là, regardez la licorne comme elle fait. Elle se balade avec le truc et elle appuie avec sa bouche, là. Qu'est-ce que c'est, ce délire? Regardez comme elle fait, la licorne. Vous entendez ce bruit? Mais lol, quoi, le truc. Et c'est un jouet. Ah, mais je m'attendais pas à ça. Ouais, on peut plus ouvrir la porte avec, les amis. Regardez ça. Quand j'appuie, ben, il jette la clé. Quand je clique plusieurs fois, d'ailleurs. Il y a Lovely qui me la ramène à chaque fois. Ben, elle est où? Tu en as fait quoi? Tu l'as jetée? Ah, elle a jeté pour de bon cette fois, elle en avait marre. Voilà, ben, on peut plus l'ouvrir, les amis, c'est fini. La clé ne fonctionne plus sur le coffre. C'est devenu juste un jouet. D'ailleurs, c'est marqué, hein. Donc il y a marqué ben, que c'est la clé, en fait, hein, la clé du coffre. Donc c'est bien la bonne clé, hein. Je vous confirme que c'est celle qui permettait d'ouvrir le coffre. Donc pour vous expliquer, en fait, à l'intérieur, il y avait une couronne. Voilà, il y avait une couronne. Quand vous ouvriez le coffre, vous gagniez une couronne. Ethan, il a encore, d'ailleurs. Oui, du moins, il a donné à Chacha, mais c'est une couronne qu'il y avait à l'intérieur du coffre. Mais visiblement, là, il vous la demande plus. Il vous demande ce qu'il y a derrière, mais la clé ne fonctionne plus. Bon, mais c'est vraiment dommage, hein. Bon, au moins, ça sert de jouer. Elle est contente, Lovely, regardez-la. Elle est toute contente avec le petit bruit que ça fait, là. Au moins, vous savez que ça sert à rien de la trad, hein. C'est un jouet, les amis. C'est un jouet spécial qui ne permet plus d'ouvrir le coffre. Donc ne la tradez pas, puisque sinon vous allez vous retrouver qu'une clé et vous allez rien pouvoir en faire. Bon, c'est vraiment dommage, en tout cas. Alors, je viens de trouver un bug assez étrange, les amis, hein. Vous allez voir comment dupliquer un objet que vous avez dans le sac. Alors, c'est incroyable. Là, vous voyez, j'ai la clé dans la main, hein. Je jette la clé, donc là, mon pet ne va pas la chercher, bien entendu. Donc là, je la reprends. Et quand je fais donner objet, vous voyez que là, regardez, hein, je vais donner la clé. Voilà, donc là, elle va atterrir dans la main d'Ethan. Voilà, je l'ai plus, vous voyez. Et là, maintenant, ben, regardez ce qui va se passer. Je vais aller sur la clé qui est par terre. Hop. Et là, regardez, j'ai la clé dans la main. J'ai la clé dans la main, alors que la clé, je ne l'ai plus dans mon inventaire. Regardez ça. Je ne possède plus la clé. Hein. Regardez, je tape. Je suis pas en train de vous mener en bateau. Regardez, je n'ai plus l'objet dans mon sac et pourtant, je l'ai toujours dans la main. Oh, c'est un bug assez étrange. Hein. Alors, si, je peux plus la jeter, par contre.
Je peux plus jeter la clé, je peux plus rien en faire. Bah, je l'ai juste dans la main. Bon, mais au moins, vous le savez pour la prochaine. Bon, mais voilà, les amis, hein, comme vous avez pu le constater, hein, la clé n'ouvre plus le coffre. C'est devenu un simple jouet. Donc, vous ne pouvez plus l'utiliser. Si jamais vous la tradez, ben, sachez que c'est uniquement pour la décoration et pour jouer avec. Ou avec votre pet, en l'occurrence. Parce que vous ne pourrez pas ouvrir le coffre. Donc je vous dis à la prochaine fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes amusé. En tout cas moi ça m'a bien fait rire de découvrir ça, c'était la première fois que j'allais voir, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et ciao ciao !